Il y a plein de monde. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projet Zomboïd. On essaie de galérer un petit peu, mais on n'est pas encore tout à fait mort. Salut Slan, salut Katox, salut Damned, bienvenue, bienvenue. Yo, yo. On reprend la route pour vous retrouver. C'est quoi cette musique hein? C'est un appel de 2019. Ah merde. Quelque chose qui sortira plus tard. C'est des renforts, des renforts. Des renforts. Ouh. Ah non non, ça c'est un coup à se cogner les bagnoles ça. Arrête, ça fait un épisode qu'on conduit avec Katox et on sait pas du tout rentrer dedans quoi. Merde. Putain mais... T'as vu par où je suis passé? Enfin un lampadaire quoi. T'as vu par où je suis passé? J'ai vu que t'avais coupé par là. Traversé le parking, je te vois, c'est bon. Je reconnais un peu là. J'en ai tué un petit paquet. Tu peux me viser? Merde, mes phares sont en rouge. Je peux te viser. Merci, Katox. Oh. Ah, c'était quoi ça? C'est oh la vache! C'est l'ordre que je fais, c'est l'ordre qui me suit. Ah oh, putain, j'ai plus de feu moi, je vois que dalle, hein, donc je me tire. Bah, tu tires. Mais non, mais. En fait, attention, hein, y a plein de rampants par terre. Hein. Un peu moins maintenant, mais. Bah, non. Oh, c'est quoi ce drame? Si tu veux, j'ai un réservoir de propane dans le coffre. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est une bouteille vide, un jerrycan d'essence. Hein. Moi j'ai un jerrycan d'essence, j'en ai même 4. J'ai une bouteille de whisky si tu veux. Ah, je vais vider. Bah, y'a des trucs dans le coffre, attends. Je vais vider la bouteille de whisky. J'ai que je pensais qu'il allait dire ça moi. Attends, je vais la vider la bouteille. Moi j'ai des jerrycans, Slan, si tu veux, je me garde derrière toi. Ouais. Normalement le coffre est ouvert. Alors, normalement. Tu me couvres, hein, bien sûr. Attends, je sors. Moi je continue d'écraser ouais, à tout va, hein, mais. Ok, il me faut une bouteille vide. Ça j'ai pas par contre. Bah j'ai une bouteille pleine de whisky. Ouais, bah tu nous la déposes. Attends, j'essaye déjà de m'en sortir là. Je vais te la déposer devant le Guns and Ammo en haut. Ah bah y'a déjà du monde en fait, mais j'arrive. Ouais, fais gaffe. Attends, Katox. Y'a Katox qui est en train de faire des allers-retours. Fais gaffe Katox, je suis pas très loin derrière toi. Je prends la relève. Ah oui, putain, c'est vrai. Merde, deux... Vas-y, nous, mets, hein. Mets ça dans le... Ils viennent vers nous, j'éloigne un peu la voiture. Boîte à gants, attends, boîte à gants. Voilà, boîte à gants. Deux secondes, hein. Bouteille de whisky, c'est bon. Je la vois pas encore. Merde, elle est dans la boîte à gants. Hein. Je la vois. Elle est pas vide. Non, bah tu la vides. Tant pis pour le whisky, hein. Tu veux sortir ou non, tu restes dedans pour le moment? C'est du 36 non. Ans d'âge, pur mal. Ouais, bah on fera avec, hein. Tant pis. Parce que elle peut avoir 60 ans d'âge, pur mal, si t'es mort, elle sert à rien. Oh là là, c'est le travail d'équipe, c'est beau. Ça doit tellement ressembler à rien quoi. Il faut une bouteille vide et ça c'est une bouteille de whisky vide, c'est pas la même chose. Non mais t'es sérieux il faut là vraiment une bouteille vide de non 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 non. J'espère que ça marche sinon c'est n'importe quoi. Attends. Alors, les autres avec des voitures, j'ai pas de feu hein, donc je ne vois que dalle, donc si vous me voyez rouler, barrez-vous de ma route. Moi je fais des allers-retours. Bon, y en a moins bon, là déjà. Là faut me faire un paquet maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui fait un paquet? Bah c'est pas simple à faire vu qu'on est nombreux. Bah si, là à côté de Katox, c'est un paquet là. Hein. Bah vas-y alors. Là je fais où? Je fais quoi? N'avance pas! Allez, faut les faire marcher dans le feu maintenant. Faut passer au milieu. J'essaie de t'éviter surtout. Je te vois le signe, hein, il va avancer. Non, je recule, je vois une voiture. J'avance, non, je recule, je vois une voiture. Mais non, j'écrase un zombie. Ah oui, d'accord. Des mauvaises Attention! Ah non oh, oh, oh merde! Ah là là. Comme vos voitures, elles ont volé. Attends, je recule, la je suis derrière toi. Non, la mienne va bien. Hein. Ça va, Katox? Ouais, bah attends, qu'est-ce que j'ai? Blessure sévère. Merci. Ah non, j'ai le pied droit brûlé, moi. Ça va aller. C'est pas grave, t'en as peu. Alors, les bolures, on met très très longtemps à s'en remettre si on s'en met. Bah, moi j'ai ma vie qui descend à petit feu. Et j'ai ma voiture qui est en feu. Ah oui, bah faut que tu sors de ta voiture peut-être. Bah, ouais, On a décoré le Twiggy, c'est une voiture dans la. Cette zone est. Putain. Je suis désolé, Katox, hein. Surtout que je fais non. Bah voilà. Fallait klaxonner. Bon, en tout cas, ça commence à bien nettoyer, hein. Ah bah oh, oui, ça. Le signe, tu peux soigner les gens qui sont blessés? Je sais pas, ils sont où?
Essayez d'éviter de cracher la dernière voiture qu'on a. Ah, je me sens barbouillé. Je vais la garer, attends. Hop. C'est pas bon ça. Non, c'est pas bon ça, généralement. T'es où, Katox? Je t'ai vu passer par là, mais... T'approches pas de moi, je me sens barbouillé. Ah merde, t'es barbouillé. Ouais, t'as été mordu ou quoi? Bah je sais pas, j'ai une blessure sévère, mais j'ai pas de traces de morsure, donc... peut-être qu'il Aïe, moi j'ai une blessure critique. Je vous vois pas, vous êtes où? Comment voulez-vous que je vous soigne? Moi je pense que je vais y passer aussi, hein. Je suis juste devant le truc là, le Twiggies. Mais... Ah mais Slan aussi, tu vas mourir? Non, non, j'ai mis la tête de mort, c'est parce que je cherche Katox. Non, non, mais laisse-moi d'abord déposer... Non, ça sert à me soigner. J'ai d'abord déposé tout ce que j'ai, parce que j'ai une véritable pharmacie sur moi. Ouais. T'as une pharmacie et t'as pas réussi à te soigner? Bah il est mordu, hein, qu'est-ce qu'on en fasse? Ça c'est con, moi j'ai une blessure critique, tout ça, parce que je sais pas, j'ai mal au pied droit. Enfin brûlé, quoi. Mais tu t'es soigné au moins? Bah j'ai pas trop eu le temps. Mais comment tu veux que je me soigne? Tu mets un truc? Un bandage? Ah. Bah, tu peux faire quelque chose sur ta blessure? Ouais, je peux nettoyer. On va la nettoyer. Putain, y'a les zombies enflammés qui attaquent ma voiture. Aïe 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 aïe. Donc, ça c'est. Bon, là fait. C'est pas mal, hein. Ouais, Katox dira pas mieux, hein. Oh non, je suis en flamme. Ah, ça. Eh, le nord là, jusqu'à. Comment on fait pour s'étendre? Qui c'est pour qui trabasse tout avec la voiture là? Y'a plein de zombies là par terre. Je suis en flamme, je suis en train de crever, blessure mortelle. Ah non, faut pas être en feu, mais pourquoi vous êtes en feu? Fais un clic droit sur ta blessure, voir si tu peux pas l'éteindre. Moi je pouvais l'éteindre, je sais pas, j'avais une bouteille d'eau, non, faut non, dire. Non, c'est trop tard, je suis mort. Ah merde. Déjà? Bah écoute, j'étais en flamme donc ouais. Mais à un moment. Ah non! Oh, j'ai une très très mauvaise nouvelle! Tu vas mourir. Non! Ah non, y'a le feu au Twiggies! Le Twiggies est en feu! Tout ça pour ça! Ah, je le savais que ça allait mal finir cette histoire. Hein. Alors, bon, alors. Alors, je vous propose. Attends-moi! Rendez-vous à la Warehouse de Multi. Mais attends-moi, mais c'est pourquoi il se barre, l'enfoiré? Là, je suis en bas, là, je suis au coin. Ah, c'est bon. Ah, je suis là, je suis là. Te vois pas. Je suis là, bouge pas. Ah, c'est bon, je suis dedans. Je sais pas où est Katox, mais... Oh, on s'en fiche. Ah, un sac marin, ça c'est cool. Katox, t'es où? Quoi? Tes affaires, elles sont où? Enfin, toi, on s'en fout, mais elles sont où, tes affaires? Aïe! Y'avait un mur, y'avait un arbre. Y'avait un arbre derrière. C'est d'où l'intérêt d'aller en marche avant avec les bagnoles. Il est où le sac marin avec toutes les affaires super? Il est ici. Je te le dépose. Mais sur tu le fais quoi, sol ou je te le mets dans le coffre? T'es pas du tout tu veux en pas fait, avec Katox. Nous, c'est vrai. Attends. Je te le dépose dans le coffre. Hop. J'essaie de te le déposer dans le coffre. Avant de mourir de préférence. Putain, mais dépose-le. Ah, y'a pas assez de place dans le coffre pour que je le dépose. Non, non, mais là, la bagnole, elle allait prendre feu. Ouais, je sais. Bah, attends, tiens. Hop, je te le dépose par terre. Voilà, il est ici. Je peux pas sortir. Je m'en occupe. Hop. Comment on récupère le sac entièrement? Tu dois prends le sac, tu cliques sur le sol. Ok, d'accord. Oh putain, mais c'est chaud, y'a plein de zombies d'un coup, bordel. Et c'est pour ça que je suis plus loin. Je suis tout seul de nuit avec un couteau à beurre, alors. Autant te dire, non, un peu en stress. Tout va bien, no stress. C'est une porte, ça? C'est pas du tout une porte, ça. Je l'ai eu ou pas, putain? Je l'ai eu ou pas? Bordel, y'a plein de zombies. Putain, mais c'est quoi ces trucs blancs? C'est pas des portes? Moi, je vais voir si je peux aller... Oh, mesdames Ned. Bah, y'avait du feu, y'avait du feu à côté du sac. Oh, bah, je vais crever. Pourtant, j'ai été plus loin. Voilà. Ça ne récupère du tout. J'ai de la mayonnaise, je peux pas éteindre ma plaie avec de la mayonnaise. Oh putain. Ça non. Marche pas, on peut pas éteindre la plaie avec la mayonnaise, je comprends pas. Un beau cataplasme. Tirez-vous. Putain, ça ne marche pas. Ah, putain, enfoiré. Allez, je suis mort. Bisous. T'inquiète, je gère. Alors, t'en as tué combien? Ah merde,
261. Waouh. Ouais, merci les bagnoles, hein. Bah dis-toi oui. Que rien qu'avec les petits tours de bagnole que j'ai fait là, je viens déjà tuer 101. Ouais, bah voilà. C'est abusé. Ah, c'est plus que moi. Qui est-ce qui a mis des clous partout par terre? C'est pas moi, mais j'en avais sur moi. Non, même pas. Non, j'en avais pas. Après, on s'étonne que les bagnoles, elles arrivent plus à avancer. Bon. Si je comprends bien, je vais me retrouver tout seul. Voilà. T'as pas peu de chance, tu trouves. Ah si, allez. Alors, la masse, elle est bien dans le coffre d'une des bagnoles, c'est ça? Ouais, dans la mienne, qui je ne sais pas où, du coup. Bah, de toute façon, j'arrive pas à y accéder, faudra en trouver une autre. Hein. Allez, nice. Je vais à Muldrog. Ce let's play, mon dieu. Bon, alors, ah bah ça va. Let's die. Ouais, j'avoue. Ouais, on va l'appeler. Ouais, c'est pas mal, let's die. Ouais, je pense que ça va bien plaire, en tout cas, ils vont bien rigoler, les gens. On va bien se foutre de notre gueule. Hein. C'est pas drôle. C'est pas drôle, tu te slades sérieux là, le mec est efficace, drôle. Ça lui plaît pas. C'est juste la... Non mais c'est pas drôle, pourquoi vous vous mettez en feu tous? Bah oh, oh. J'étais pas en feu moi, je te rappelle. Ah oui, ouais. Alors comment t'as réussi à te tuer toi? Tu t'es balancé, ah oui, tu t'es fait balancer contre un mur par Dame Ned. Exactement. Ouais, au savoir. Il t'a foncé dedans avec sa bagnole. En même temps, t'es un peu abonné quand même, Katox. Hein. Faudrait peut-être que tu travailles sur ta conduite. Mais c'est peut-être la conduite des autres qui est problématique. Ouais, bien sûr, ouais. C'est la... C'est le mec qui c'est a contre-sens. C'est un peu facile, moi, je trouve. Hein. Qui dit, je comprends pas, ils sont tous à contre-sens. Bah oui. Ça, c'est logique. Je veux dire, la route est à moi. Mais je paye des taxes pour ça. En Belgique, ils conduisent peut-être pas pareil qu'ailleurs. Hein. Bah non, on conduit pas. Hein. Boire ou conduire, de toute façon, on a pas de voiture. Bon, bah tiens, par quoi, contre, on a récupéré cette... toutes les voitures en bas de la zone, là. C'est un peu la dèche. Moi, j'ai trouvé un club de golf dans la maison. C'est pas mal, ça. Ouais, mais la grande route, je peux pas marcher sur la grande route, ça grouille c'est de zon. Moins bien que la hache, mais bon. Bah, moi j'arrive avec la petite bagnole merdique qu'on a trouvée avec la porte cassée là. Y'a le cadavre de Dame Ned dans le. dans le coffre. C'est à l'arrière. J'ai retrouvé la main de Katox. Alors... et le crâne brûlé de le signe noir. Le mec il a le cadavre de Dame Ned derrière, il continue de lui parler parce que de toute façon, vous êtes les gens, il y avait pas beaucoup de discussions donc il a pas... il s'est pas rendu compte qu'il était mort. Non, ouais, c'est bon. C'est comment il peu... s'appelle le mec dans Tout seul au monde là? Oh putain, oui, mais j'entends les zombies, mais je les vois Wilson. Pas tellement il fait noir. Ah la Wilson. Wilson, voilà, c'est mon Wilson. La marque du ballon. Ouais, c'est mon Wilson à moi. Ah, ouais, bah ouais. Ah, tirez-vous. Donc, vous êtes en train de me dire que là je suis tout seul, donc il va falloir que je trouve une voiture tout seul pour vous rejoindre tout seul. Ouais, mais alors non, déjà, non, j'espère non. Trouver une voiture. T'as oublié de dire que t'étais tout seul. Pas besoin de bagnole, vous vous retrouvez à Muldrog, à la warehouse, c'est-à-dire que vous rejoignez la grande route et ensuite vous allez vers le nord. Alors par contre, je vous préviens, marcher sur la grande route, c'est une idée de merde. Hein. Oui, c'est très long. Oui, et puis surtout, vachement de zombies dessus. Oh, mais ils sortent d'où tous ces zombies? Je sais pas, y'a un mec qui a foiré la téléportation. Non, y'a un mec qui a mal réglé les serveurs. Putain, et moi je vais crever de froid parce que je suis en train de me balader en soutif dehors. Mais quelle idée, normalement tu pop en débardeur. Mais t'es pas un mec. Ouais, mais j'ai dû détruire mon débardeur parce que j'ai dû fuir ma maison en passant par la fenêtre. Ah oui. Je sais pas, enfiler un pull sale quand même. Alors y'a un truc qui est louche, c'est que d'un seul coup on vient de passer du 11 mars au 11... Hein? Mais non, mais c'est l'autre là, il sait pas lire les dates anglaises. Là. Il fait son malin. Putain, c'est bien youtubeur français ça. Ouais. Avec un youtubeur belge, t'auras pas eu de problème. Hein. Encore un chauvin. Bon, je suis obèse, mais je m'en fous. Je vais prendre la ration de chips. Ah putain, j'ai rien comme arme quoi. C'est la dèche totale. À croire que là, normalement, on devrait être en train de faire notre base, de commencer à discuter. Qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, je peux même pas sortir. C'est bon les gars, arrêtez tout. J'ai trouvé du papier toilette. Ah, mais moi j'ai trouvé une jacket. Super. Et une ceinture. Moi, pour info, je suis essoufflé. J'ai faim, je suis agité, je suis mélancolique, inquiet, assoiffé et... Bah on est bien là. Bah oui, puis attends, le mec il arrive, il a vu des gens mourir, ces gens mourir sont revenus, et il a revu ces gens remourir.
Et tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est un peu inquiet. Aïe. Aïe. C'est là qu'est l'embouteillage. Ça, c'est une barrière que je peux pas passer. C'est un très bien. C'est trop à fumer, parfait. C'est une porte, ça. C'est pas une porte. Sortez-moi les chips. Sortez-moi les chips. Sortez-vous les chips du cul. Oh, c'est très fin, ça, monsieur. Non, non, alors là, ça, je vais pas pouvoir le passer sur ma chaîne. Hein. Moi, il y a des enfants sur ma chaîne. Oh là là. Non, mais c'est encore un coup de se faire stalker la vidéo, ça. Hein. C'est clair. Mais personne ne monétise de toute façon. Non, mais je te préviens que si je me fais démonétiser, je te le monétiser. Ça sera sur ton compte la suite. Ça sera sur ton compte. J'ai trouvé un marchand de four. Je vais en faire ma maison, je pense. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces zombies là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai trouvé une Est-ce que vous êtes vraiment en train d'aller à la Warhouse pour vous réunir? Ah bah moi j'essaye de trouver la route déjà. Ouais, moi je longe la grande route, mais en attendant j'essaye quand même de rentrer dans les maisons choper des armes parce que c'est un peu la dèche quoi. Et en fait ce qui me fait peur c'est que si vous me dites qu'il faut toujours aller en haut à gauche, hein, nord-ouest, c'est ça? En haut à droite. Ah, bon. En haut à droite, ouais. C'est une route qui va de bas à gauche à haut à droite. Ok, très bien. Ouais, mais il a un peu de mal avec nord et ouest, Slan. Ouais, quand... J'ai remarqué ça déjà. Ah, d'accord. Alors, comme moi je suis illettré et que je comprends le contraire. Ah, mais c'est ouf, toutes les maisons, les fenêtres elles vomissent des zombies quoi. Vomissent des zombies. Ah, bah y'a pas d'autre mot, je suis désolé. Pas mal. Alors, je suis rendu au motel, je crois. Ouais, le Sunstar Motel. C'est pénible, on peut pas lire un magazine en même temps qu'on conduit. Le mec il a une bagnole, il chiale quoi, mais. Ouais, je pense... Non, mais je pensais avoir des avantages à jouer un perso féminin, mais apparemment ils ont pas tout pris en compte. Tiens, je suis arrivé à la. Ouais, tu parlais de démotisation et de trucs comme ça, toi. On va bientôt passer aux poursuites là. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis à la station service Fossoil encore là. Excusez-moi, je m'absente 10 minutes, je dois téléphoner à mon avocat. Il y a plusieurs stations-service. Oui, il y en a deux, il y a la Gas to Go et la Fossoil. Mais je suis à une Fossoil, mais c'est pas la même que celle où on s'est arrêté tout à l'heure. Mm-hmm. Ou alors... Qu'est-ce que t'as une idée vague de dans quelle ville t'es? Je sais Rosewood. Pas. Alors, moi je suis à côté d'un truc qui s'appelle Bell Bonds Insurance. Avec l'accent qui va bien. Ah non, derrière, il y a un parking. Yes, of course. Je pensais que j'étais dans la bonne ville parce que j'ai reconnu certains bâtiments, mais là, la station service, elle a pas la même tête. Il y a pas le bac à glace et tout. Alors, tout à l'heure. Slan, elle était sur celle du dessus. Si tu veux venir me chercher, je suis devant le Pizza Weirled. Qui fait les meilleurs pizzas. Ah, mais t'es tout au sud. Ah, bah d'accord, bon, je monte alors. Ouais, mais le problème, c'est que ma bagnole, elle avance pas là. Ah oui. Je dois avoir un lag ou un truc comme ça. Sors et pousse. Bah c'est peut-être la horde qui est sous les roues. Ah oui aussi. Ça peut peut-être jouer. Tu l'évites sur les cadavres de zombies. Ah mais il me faut une arme putain, même un, je sais pas moi, un couteau, une connerie. Moi j'ai un magazine. C'est pas mal un magazine, je voudrais bien un magazine comme arme moi. J'ai même pas un magazine comme arme. Je peux même pas écraser les mouches quoi. Ah, c'est ouvert là. Bon, alors par contre, il y a plein de zombies là. Alors, devant une maison, j'ai trouvé une niche, mais je peux pas la revendiquer comme étant mon abri à moi. Non, tu peux pas. Et je trouve ça dommage. Ouais, c'est dommage. C'est petit, mais c'est cosu. Alors, ta putain de bagnole. Ah, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ta putain de bagnole qui a qu'une seule porte. Là-bas, il y a des zombies devant la porte. C'est con ça. Bah fallait pas l'insulter. Donc je suis un piéton. Bah c'est bien. T'apprendra. Rejoins-nous parmi les piétons. Par contre je suis au spifo là. Au spifo. Oh y'a pas de clé. Oh le nom qui donne pas envie quoi. Et les gars soit on se fait une bouffe au spifo. Je tiens à dire que Spifo c'est l'emblème de la série Project Zomboid, c'est l'idole, c'est le truc. Oui, voilà, c'est espèce d'écureuil quand là. Tu trouves un Spifo en plus, t'es super méga content. Ouais, mais Spifo quoi. Ouais. C'est le nom. Il y a pire, ça aurait pu s'appeler Damned quoi. Ah. Il se vocalise. Ouais. Bizarrement,
Il va me retrouver, je vais voir une petite tête de mort avec tout son perso, je fais « Ned, que tu fais là ?» Alors, faudrait déjà que je sache comment on en met une. T'as une petite icône en dessous qui est verte, tu cliques dessus, elle devient rouge. Et je suis en train de me rendre compte que finalement le briquet, quand t'as plus de cocktail Molotov, c'est beaucoup moins utile comme arme. Et ça sert à quoi? Allumer les clopes. Non, PVP. C'est le PVP. Ah, y'a du PVP, d'accord. Ah, mais bah c'est non ouf, alors. Hein. Tu sais que c'est bâtiment, Chaud. Un rasoir, mais qu'est-ce que je fous d'un rasoir, mec? Alors, donc du coup, Shots, vous essayez d'arriver. Un fusil à pompe, bah voilà. Non, non. Ah non. Ah écoute, hein, plutôt qu'être à main nue. Tu as donné des coups de crosse, j'espère. On peut. C'est... Tu as donné des coups de crosse? Oui, oui. Ah, ah merde, bah, absolument. On peut donner des coups de crosse? Je sais pas, mets une cartouche et clique. Non, j'ai pas de munitions. Mets une cartouche. C'est l'arnaque. Ouais, ça. Mets-toi une cartouche, c'est bien. Cette voiture là, ça donne quoi? Oh putain, elle est fermée, sérieux. Alors, vu que je suis en mauvaise forme, très maigre, fatigué c'est tout quel... ça... C'est un genre ça, ça marchait un peu trop normalement pour un... Ah mais oui, je suis à côté du Spifo. Qui c'est qui était au Spifo? Bah c'est moi, je l'ai dit. Ah voilà, je me disais bien. Je voyais, cette personne tromper. Marchait un peu trop normalement. Ah mais toi aussi t'es à poil, t'as pas d'arme? Bah oui. Attends, on est bien là. Au moins deux. Ça passe à coup de chaussure. Derrière toi nous. Ils sont toujours pas morts les autres là. Si si, il est mort, j'ai entendu crever, non? Ah ouais. Vas-y, je te laisse taper sur les zombies, je vais voir s'il y a de la bouffe. J'en ai un peu si tu veux. On est au Spifo, il y a forcément de la bouffe. Alors on a tout pris, Damned il a pris toutes les boîtes. Ah oui, c'est vrai, on s'est arrêté là déjà tout à l'heure. Enfin, non, pardon, je lui ai dit de prendre tout ce qui n'était pas dans une boîte et il n'y a pas d'ouvre-boîte sur place. Bah, je les ai pris les ouvre-boîtes. Alors t'as laissé les boîtes et t'as pris les ouvre-boîtes, mais merci. Merci. J'ai des brocolis si tu veux. Et un poivron. Un poivron. Alors, j'ai une côte de porc crue. Je pense que c'est une bonne idée de la manger crue, non? Une côte de porc, on ne pas grand chose. C'est une très bonne idée, oui. Tu restes pas grand chose. Bah, je le fais tous les jours et je vais bien. Hein. Je suis lettré, mais je vais bien. Moi, j'ai l'estomac fragile et je viens de manger un poivron. Donc, la prochaine fois que je vous dirai je suis en train de mourir, vous me dites que c'est juste une intoxication, vous êtes gentil. Ouais. On fera ça. Vous me tuez pas? Moi, ouais, j'ai un marteau. On peut boire dans ces robinets là? Bah oui, il coupe l'eau dans 3 jours, mais en attendant on peut boire. Il y a même une brosse à dents, parfait. La civilisation, les gars. Parce que là on rigole, mais ça fait 2 jours qu'on galère. Mais l'eau sera coupée au bout de 21 jours. Hein. Et bah c'est, ouais, pas, bah, c'est parfait, bien. Ça nous en laisse 19 pour galérer. Donc la laque, les somnifères. Oh, des somnifères, voilà ce qu'il me faut. Des allumettes, j'ai vu des allumettes. Putain, ils sont où? Ah, mais j'ai fini inventaire, reviens. J'ai plus de cigarettes. Ah, de l'autre cologne. Ouais, je l'ai pas pris, ça me paraissait pas utile, mais... Ça me paraissait pas utile. C'est utile, l'autre cologne? On voit... On voit que t'as pas été en bagnole avec Damned. Hein. Salaud. Oh, le salaud. Oh, espèce d'ordure. Oh, la vache. Aimez-vous les uns les autres. Le let's play de l'amour, quoi. Un canard en plastique. C'est... Oh putain, un canard en plastique, les gens. Je l'ai laissé. Ah, une tasse vide. Ah, je peux le prendre. À la base, c'était un let's play en coop, mais c'était à la base. Hein. Non, ça n'est plus du tout en coop là. J'étais à Damned avant. Damned, il y a un. Le signe, il y a un zombie à tuer. Il est où? Là, bah, j'arrive pas à passer, je trouve pas la porte pour aller de l'autre côté du bar. Ah ouais, bah pareil, je l'ai cherché depuis tout à l'heure, mais je sais pas bien. On peut pas passer par-dessus le bar? Avec eux? Non, on peut pas. Bah si, passer par-dessus pourtant. Ah non, mais il va où? Ok, bon. Ah, peut-être par là, il doit y avoir une petite réserve. Ah oui, ça doit être là. Voilà, t'es prêt? J'ouvre. C'est parti. Je te vois pas, t'es où? Bah attends, t'as le zombie dans ton dos là. Je vois que dalle. Ah si, je l'ai fait tomber par hasard. Putain, mais vous êtes encore loin ou quoi? On est au Spifo? Bah je sais pas où il est moi. Ah bah voilà, je vais pouvoir prendre une cuillère, non, une fourchette, ça sera plus efficace. Ça y est, j'arrive au Spifo! Vite, on bouffe, vite! Vite, trouve la boîte! Un couteau à beurre, couteau à cuisine!
Bande de il salaud. Reste des trucs ici. Eh, vous voulez que je... Tu pourrais aller faire cuire ou quoi? Ouais, et tu pourrais aller faire cuire, je pense. Ouais, regarde, t'as tout ce qu'il faut là. Je cherche une T'es en train de me dire que je viens de passer dans une fenêtre où vous aviez. Oh putain! Eh, mais tu avais pas enlevé les trucs, donc il te faut une pince à épiler maintenant pour enlever les bouts de verre et te bander ensuite. Putain, mais... T'as trouvé une casserole? Il me faut une casserole pour faire cuire les pâtes. Je cherche. Mais l'autre il est en train de se vider de son sang. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupe un peu. Oh, du chardonnay! Oh, je le vois direct. Damnet, t'as des bandages? Je crois que j'ai des trucs déchirés. Oui, non mais ça c'est bon, c'est pas le problème. La concentration de slime limitée. J'ai pas de pince à épiler par contre. T'as pas de pince à épiler? J'ai pas de pince à épiler non plus par contre. On en avait tous une avant de mourir. Ouais, j'en ai trouvé, à chaque fois que j'ai ressuscité, j'en ai trouvé, mais pas cette fois, je suis désolé. Et moi j'en ai une, hein, dans le coffre de la bagnole, un peu plus haut. C'est vrai? Oui. Ah bah j'y vais alors. Putain. T'as les clés? Ça va être. Bah les clés sont sur le compteur, hein. Elle est où? Elle est à... là où il y a le troupeau de zombies. Écoute, ouais, déjà... bah de toute façon, c'est ça au mourir, hein. Bah j'arrive, je vais t'ouvrir la voie parce que maintenant j'ai deux couteaux de cuisine et deux couteaux à beurre. Je vous fais cuire des hamburgers pour la peine. Merci, fais des pâtes aussi. Ah, mais j'ai pas trouvé de casserole, alors du coup je fais avec ce que j'ai. Mais dans tes mains. Et il y a du poivre et du ketchup, oublie pas que ça va remonter le. Ça va nous remonter notre bonheur. Parce qu'on est américain, le ketchup ça nous remonte le bonheur. Putain, mais elle est loin la bagnole. Je crois que je serais mort avant. Oh, mais tu t'es pas. Eh, attends, tu t'es quand même mis un bandage. Oui. Tu t'allumes ou tu t'allumes pas à four là? Et tu te vides quand même de ton sang? Bah je me suis bien vidé de mon sang avant de le faire, disons. D'accord, parce qu'en plus il faut que tu fasses probablement une suture. Mais il faut surtout pas que tu fasses... Dans le sac que j'ai laissé, il y a des points de suture, des trucs pour faire la suture. Faut... dans le coffre de la bagnole qui brûle là? Non, le sac que j'avais laissé par terre. Ouais bah ah, c'est je, bon hein. Je l'ai jamais revu. Et puis Damned il est mort en feu en essayant de le... Il m'a jamais revu non plus. T'es où en fait? Bah je suis monté au nord, j'ai suivi la route moi. Bon, je vous laisse des hamburgers dans le... Je suis parti trop loin. Si jamais je meurs. De hamburgers dans le four si jamais tu t'as mis un minuteur pour qu'il s'arrête tout seul? Oui, non mais je l'ai arrêté. Attends, je vais les enlever, je vais voir si je peux mettre du poivre dessus. Non, c'est plutôt dans les salades. Alors, comment ça se passe? Manger, nana, ok d'accord. Y'a un truc de bouffe là, je vais aller voir si dans la cuisine y'a pas une pince à épiler. Oui, bon, c'est un peu de chance, hein, mais bon, vas-y, je t'en prie. Non, c'est pas vrai, dans les restaurants gastro, maintenant ils utilisent vachement la pince à épiler pour faire les dressages. Ah bah oui. Parce qu'on est en 93 et tu penses donc qu'on est dans une ville où y'a un américaine, où y'a un restaurant gastronomique. Bah ouais. Mais oui, c'est sûr. Les Français se sont... sont vachement exportés aux États-Unis au niveau cuisine. Hein. Surtout dans les années 93. Ouais, surtout celle-là. Bon, là, la troupe qui est devant la bagnole, il y en a la moitié qui me suit. D'accord, faudrait que je trouve la bagnole déjà. Ah, moi, je suis bien désolé, hein, mais il y a pas de. Mais pas de on a bien compris le signe qu'à chaque fois qu'il y a une bagarre, malheureusement, t'as un mot du médecin qui t'empêche de participer. Malheureusement, je suis en train de cuisiner des burgers. Bah oui. Le mot du médecin, c'est cuisine des burgers. Cuisine des burgers que moi... pour ses amis. Et moi, mon rôle, c'était de tout brûler, hein. Bah, j'ai tout brûlé. Mes potes et le Twiggies. Allez, on va l'allumer. Ouais, on voit ça. Bon, là, normalement, il n'y en a plus que deux devant la porte. Hein. Ah ouais, bah attends, parce qu'il faut changer de bandage. Hein. Ouais, t'as intérêt à être rapide. Si t'as des bandages adhésifs, utilise-les en premier. Non, j'en ai pas. Il y en avait dans le sac qui... on va l'entendre jusqu'à la fin du let's play celle-là, mais il y en avait dans le sac. Je sais pas ce que vous foutez, mais j'en ai laissé plein. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, alors du coup, faut que je redescende parce que je suis parti trop en à pied, parce que j'ai pas vu la voiture. Hein. La voiture blanche au milieu de la route, tu l'as pas vue. C'est non. C'est la même que tu conduisais il y a une vie. Il y a une route, il y a une voiture, c'est là. Ou alors faut monter vachement haut et je suis pas monté assez haut quoi. Je vois pas où elle est garée devant le Family Fashion. Mais est-ce qu'il est loin en haut? Parce que je suis monté assez haut. Je sais pas, moi j'ai mis une minute pour y aller. Ah ouais, non, y'a un problème là. Bah, t'as dire que si t'es à West Point. En fait, faudrait peut-être que je m'inquiète du fait qu'il y a des boom boom depuis tout à l'heure.
Non, faut pas t'inquiéter de ça, c'est ton cœur. Non, non, mon cœur c'est quand je suis dehors. Là, c'est des boum boum sur une porte. Bah, si c'est sur une porte, c'est que t'es du bon côté de la porte. Probablement. En plus, je peux plus courir, donc. Comme ça. On est bien. C'est ouf ça. Qui c'est qui a piqué toutes les casseroles? Tu es sûr que c'est mon mois précédent? Alors, moi, j'ai pris tous les couteaux. Et j'arrive pas à monter dans cette fichue bagnole côté passager. Marinara, c'est quoi ça du marinara? Est-ce que tu passes devant un moment sur la route une voiture en feu, enfin brûlée, une carcasse quoi? Il y en a partout, des bagnoles brûlées. Oui, bon d'accord, merci. Donc je te répondrai oui. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ok. On va dire que je suis dans la bonne direction. Mais sinon, je suis au Fashion Family Burger. Fashion Family Burger. Je vois un truc de burger là. Eh bah, tu continues, la bagnole est juste après et y a plus personne devant la porte, je vais pouvoir entrer dedans. Ça y est. Ok, c'est bon, Family Fashion, machin, buffet, pas burger. Tout de suite les grands mots. Oh! Hop là, on se calme les gens. Alors je suis épuisé, j'ai plus de hache. Hein. Oh putain, je suis coincé. Et je peux pas monter en plus. Si, c'est bon. Double esquive. Casse-toi. Pas fait long feu ma fourchette. Hein. Ce jeu est toujours aussi fou. Vas-y, descends. Ah, mais bah, j'avais des casseroles sur moi. Non, mais vas-y, retourne en bas où il y avait le signe, je le ferai là-bas. Hein. On va tirer tout le monde avec la bagnole. Ah bon? Ah merde. Ah faut que je retourne au spifo? Bon bah je retourne au spifo. Non non. Non non, on est devant le family. Tu veux que je sorte là? Non, comme tu veux. Faire quoi? Tu fais quoi là? Ok, on descend. Bah je sais pas où il est. T'es où d'ailleurs? Je sais pas où il est, t'es où le signe? Ah il est là. Ok. Je vois. Ah. Tiens, tu peux regarder dans le coffre s'il y a une pince à épiler? Tu permets, je cours. Putain, il m'a fait rire. Chips, nana, pince à épiler. Je l'ai. Voilà. Eh bah, vas-y, rentre dans la bagnole et tu me la fileras dans la bagnole. Allez hop. Attends, faut que je change de siège. Je vais derrière. C'est bon, je suis à l'arrière. Attendez, je vais crever. Alors, il y a du désinfectant aussi, normalement, et tout ce qu'il faut. Hein. Je te la mets. Ah, mais moi j'ai pris que ça, moi. Je te mets du tissu aussi sur les sièges. J'avais mis sur le siège libre. Ok. Katox, t'es où? Quoi? T'es où? Katox, il a déjà construit sa base, t'inquiète. Katox, il est dans sa base. J'ai déjà fait des city builders avec lui. Mais attends, en fait, elle sert à rien de la passer épilée, j'ai pas l'air d'avoir de bout de verre. Hein. J'ai juste égratigné. Oh c'est... Je mets des burgers sur la banquette arrière qui sont cuits si vous voulez. Et y avait pas une. T'as dit qu'il y avait une bombe de désinfectant? Ah, mais d'être dans le. Dans le coffre? Dans le coffre du coup. Attention, y'a la dame nette qui est descendue. Ah ouais, je voulais aller prendre la désinfectant dans le coffre. Voilà. Y'a peu de monde hein. Vas-y, c'est tranquille, c'est safe. Non, c'est pas tranquille en fait. Oh! Essaie de t'écraser le fumier. Ah, je peux pas, ça j'ai pas le temps. Je suis pas assez rapide. Ouais, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Allez, on se casse. Allez, hein. monte. Ouh. C'est vrai qu'on aille rejoindre Katox. Je vais faire un bandage pour le moment, et puis voilà. Ouais, mais c'est bon, hein, t'inquiète. Hein. Je vais bien. J'ai mis un sac à dos sur la banquette arrière, si jamais. Alors, est-ce qu'on s'installe au Sunstar Motel, qui est un endroit bien connu de tous ceux qui jouent à Project Zomboid, c'est-à-dire ici, là, ou à la Warhouse, qui est un petit peu au nord. Alors ici, vous voyez le Sunstar Motel. Il y a un petit peu de monde, quand même. Hein. Oui, il y a un petit peu de monde, mais il y a un petit peu de monde partout, tu sais. Ah, c'est surtout qu'on a plus aucune arme, quoi. Enfin, moi, j'ai plus aucune arme. Ah, moi, j'en ai plein, moi, mais... Vous allez Warhouse ou Sunstar? Alors, moi, ce que je vais vous dire, déjà, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Oh. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'on commence bah, moi, à galérer. Pas trop, hein, moi pas trop, hein. moi moyennement aussi. Hein, mais... laissez un petit commentaire pour dire que vous avez bien ri.
Et puis à très bientôt pour la suite. Merci hein.